Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. Donc cette fois-ci, on va continuer notre exploration des cavernes d'Ixalan, les cavernes oubliées d'Ixalan. Donc ici, on est à 890 au niveau des gemmes, on est à 3100 au niveau des couronnes, on n'a pas de joker, on est à 41,1% pour l'ouverture. On n'a plus que 3 jetons de draft et 3 jetons lancez-vous, parce que normalement l'épisode d'avant, vous avez dû le voir, j'ai fait un draft, enfin j'ai fait un draft, je me suis fait victimiser dans un draft, et derrière donc j'ai sacrifié un jeton de draft. On va aller à la boutique récupérer un autre booster. Alors, on a 5 boosters, on va en utiliser 3. Donc on est parti, on devrait récupérer un joker rare. On commence avec le glyphe zoétique, qui est une carte bleue qui arrive au 3ème round. C'est un enchantement oral, enchantement artefact. L'artefact enchanté est une créature golem avec une force et une endurance de base de 5 et 4. En plus de ses autres types, quand le glyphe zoétique est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, découvrez 3. Ok. On continue avec Offrande Fanatique, carte noire qu'on connaît, puisqu'elle arrive aussi au 2ème round. Donc on va la passer. Hein. On a l'Inquisitrice de Vito, qui est une carte noire qui arrive au 4ème round. C'est une créature vampire et chevalier. Pour un mana noir, sacrifiez une autre créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur l'Inquisitrice de Vito. Elle acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Elle a 3 en force et 3 en défense. Et sa petite phrase, c'est « Nous annonçons l'ère du sang toujours ruisselant, où ceux qui sont nourris seront nourris. » Et où ceux qui se nourrissent seront rassasiés. Ok, on l'avait déjà vu cette carte. Elle me dit quelque chose. On récupère un joker inhabituel, ce qui nous fait un joker inhabituel. Et le coffre est ouvert à 44,2% maintenant. Fissuration, carte rouge qu'on connaît, qui arrive au 2ème round. Taille impressionnante, carte verte qu'on connaît, qui arrive au 2ème round. Et enfin, à court d'air, à mon avis c'est elle, le doublon. À court d'air, donc carte bleue qui arrive au 4ème round et qu'on connaît. On va sur la dernière carte de ce booster. Madsal Atlantikli, la grande porte. Ok, on connaît. Carte incolore qui arrive au 3ème round et qu'on connaît. Ok. Bon écoutez, que dire? On continue. Deuxième booster de la session. On a récupéré notre rare. Super. Alors, main tendue, carte blanche qu'on connaît, hein, qui arrive au premier round. Si vous avez vu le draft, je les ai eus et je les ai pratiquement pas utilisés. Lutteur mécanique, donc carte bleue qui arrive au premier round. Qu'on connaît. Écho d'enseignement, carte bleue qui arrive au 5ème round et qu'on connaît aussi. Caparocti, fils du soleil, carte Boros, donc magie rouge et blanche qui arrive au 4ème round et qu'on connaît. Attaque finale de Huatli. Carte verte qu'on connaît, hein, qui arrive au 3ème round.
Guivre des cavernes de Ajabo, carte bleue qui arrive au quatrième round. C'est une créature salamandre et guivre. Elle a descente 4. La guivre des cavernes Ajabo gagne plus 2, plus 0 tant qu'il y a au moins 4 cartes de permanent dans votre cimetière. Elle a 2 en force et 5 en défense. Petite phrase. Vous vous souvenez de cette salamandre bizarre qu'on a trouvée dans le ruisseau? Je crois qu'on vient de rencontrer son dieu. Carella, quartier maître du requiem, du requin des vents, excusez-moi. On continue. Taille impressionnante, carte verte qu'on connaît, hein, qu'on a déjà eu. Et on va sur la grosse carte. Cadavre des égarés, donc carte noire qui arrive au troisième round, c'est un enchantement, les squelettes que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 et ont la célérité. Quand les cadavres des égarés arrivent sur le champ de bataille, créez un jeton de créature de 2 noirs squelettes et pirates. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, vous pouvez payer un point de vie. Si vous faites ainsi, renvoyez les cadavres des égarés dans la main de leur propriétaire. Ok. C'est pas mal ça. Ok. Plutôt bien. Et on continue avec le dernier booster. Ok. Fosse aux offrandes. C'est un terrain caverne. La fosse aux offrandes arrive sur le champ de bataille engagé. Quand la fosse aux offrandes arrive sur le champ de bataille, exilez jusque 3 cartes ciblées depuis des cimetières. Si on l'engage, on gagne du mana incolore. Donc c'est un terrain incolore. Et si on l'engage, on peut aussi ajouter un mana d'une couleur des cartes exilées. Ok. Guivre des cavernes à Jabot, deuxième exemplaire. On l'a déjà vu juste avant, donc c'est une carte bleue qui arrive au quatrième round et qu'on connaît. On continue avec Elguide du Mineur, carte blanche qu'on connaît, hein, qui arrive au premier round. On continue avec une Nautile Ermite, carte bleue qui arrive au deuxième round. C'est une créature artefact Nautile, elle est équipée de vigilance et pour 2 mana dont un bleu. Le Nautile Ermite gagne plus 3, moins 3 jusqu'à la fin du tour. Il a 1 en force et 4 en défense. D'accord. Sinon, en présence des âges, carte verte qu'on connaît, hein, qui arrive au troisième round. Elle est suivie de Croc des Flots en maraude, carte bleue qui arrive au 7ème round. C'est une créature dinosaure, elle est équipée de parade 3 et de recyclage d'île 2. Elle a 6 en force et 7 en défense. Petite phrase, les glyphes anciens sont plus difficiles à décrypter quand ils sont attachés à un super prédateur. Ensuite, compagnon du cartographe, carte incolore qui arrive au 3ème round et c'est une carte qu'on connaît, on l'a déjà eu. On tourne la dernière carte pour cette session. Éveil d'Abuelo. Carte blanche qui arrive au-delà du cinquième round. C'est un sort de rituel, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement non aura ciblé depuis votre cimetière avec X marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire sur elle. C'est une créature 1-1 esprit avec le vol en plus de ses autres types. Ok. Bon. Ok, écoutez, petite session tranquille, on garde les deux prochains. Normalement demain, je devrais pouvoir acheter peut-être encore un booster et faire une émission, donc on va les garder pour demain. On va aller voir sur le profil. Alors sur le profil, on est au niveau 23 au niveau de la maîtrise d'extension et on est à 68, donc voilà, au bout de 2 semaines on est déjà à 68%, sachant qu'on est à 1/3 au niveau des mythiques, qu'on est à la moitié au niveau des rares. On est au 2/3, excusez-moi, au niveau inhabituel, et on est au 3/4 au niveau des courantes.
Alors, il y a ça qu'il fallait que je vous montre. Donc, la courbe est respectée. Hein. Et je voulais vous le montrer aussi ici. On est à 97. Il nous reste deux cartes en inhabituel. Enfin, en courant, du moins. En inhabituel, il nous en reste 5. Ensuite, il nous reste 4 cartes au niveau rare et au niveau mythique, il nous en reste 2. Sachant qu'ici, ça va certainement s'agrandir. Mais déjà, faudrait que j'arrive à faire cela. Et ça doit être possible. Je dois déjà au moins réussir à monter d'une au niveau Donjons et Dragons inhabituel. Ok, il est temps de se laisser. Allez, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde, salut!